Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons tenter le niveau 68 du Super Battle Road avec en catégorie Éveil Miraculeux et donc son fameux leader Goku Ultra Instinct. Donc je vais le tenter directement avec vous en double leader Goku Ultra Instinct, étant donné que ça reste quand même sa catégorie. Donc on va la mettre à l'honneur avec cette unité que je pense qu'on joue de moins en moins. Bien évidemment, on attend son ZLR qui, à mon avis, sera fort intéressant. Du moins, je l'espère, parce que vu déjà ce qu'il a sur le papier, je ne vois pas ce qu'il pourrait lui rajouter de plus, hormis encore plus de boost d'attaque, éventuellement de défense. L'esquive, ils ne pourront pas le mettre à 100%, c'est pas possible. Ou peut-être sur un tour éventuellement, ça sera encore des prévisions à voir. Le Goku SSJ God ZTUR, juste monstrueux intelligence pour varier un peu. Le Gohan Ultime que j'aime bien jouer de temps en temps. Qui, à la place de Gohan Agilité qu'on a tellement vu. Broly parce que c'est un carnage, donc même je ne sais pas à quoi je vais m'attendre. C'est toujours bon de l'avoir, et même s'il n'y a pas de. Il n'y a pas beaucoup d'unités sur le plateau. Au moins, il aura l'avantage de pouvoir partir en attaque spé plusieurs fois. Le Goku SSJ4 également très bon ZTUR, avec la chance d'annuler les attaques ennemies et de pouvoir contre-attaquer. Et on termine par le Goku Namek, également très bon ZTUR par rapport à sa version donc, de base. Donc, on va tenter ainsi, les amis, hein, la fameuse mémoire de soutien des frérots pour les PV. Et puis, bon, la rubambelle d'objets de soutien que j'ai l'habitude de prendre quand je pars en Battle Road, mais que je ne sais pas si cela sera nécessaire ou pas. 621K, pas mal hein, avec tout ce qu'on a pris. Pas du 100% LR, mais ça reste très intéressant. Alors. Ouais, forcément. En termes de lien, là, il n'est pas au top, là, le Goku. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de pouvoir partir en spé sans problème. Voilà, déjà on tente sans item. Le fait que Freezer soit tout seul, il doit avoir un bon gros paquet de PV. Généralement, comme vous savez, plus il y en a, plus les PV sont répartis et donc ça peut descendre plus vite. Ouais, donc quand même, voilà la particularité de ce fameux Goku hein, Ultra Instinct est quand même son esquive, hein, c'est 70% d'esquive, donc toujours. Oh là là, 5 millions. Toujours intéressant de pouvoir esquiver. Sur le ZTUR également, il a 50% de chance, le Goku SSJ God, de pouvoir esquiver. Donc. Toute esquive est la bienvenue face à un combat de cette ampleur. Donc là, on va essayer de le finir. Je vais garder comme ça. Allez, tu nous l'esquives. Récupère un peu de PV à l'occasion. Bon, ça a été déjà plutôt rapidement là, vite. Hein. Une petite esquive de beau gosse, bien sûr, voilà. Lui, ça fait toujours plaisir de voir les esquives. Ah, un ultra instinct que j'ai à 100% avec 2-3 doublons encore derrière. Oh là là, j'imagine que vous, ça doit être le cas également de votre côté, les amis. Celle, alors j'imagine qu'il a toute sa ribambelle de Cell Junior, mais bien sûr, c'était évident. Voilà, par contre, peut-être qu'on va pas faire les malins et qu'on devrait. Voilà, ce qui est bien, c'est que Gohan va faire le taf. Ouais, on va faire ça comme ça. On va essayer de pas trop faire le fou. Je prends un item quand même parce que là allez on va prendre juste le petit dragon histoire de vraiment je suis même pas sûr que cela soit nécessaire mais sait-on jamais quand ils sont plusieurs comme ça et puis qu'on n'avait pas Broly encore sur le plateau. Si Broly était sur le plateau je pense que je n'aurais pas mis l'item. Ah non mais. Donc il y a encore un peu de ki pour qu'il puisse repartir en spé supplémentaire garanti.
Oh là là, le beau 4 millions qui fait plaisir. Ah, lui, il va le faire mal. Ouh, il va le faire mal, le coucou SSJ God. Sur le bon team avec du crit, il sort bien 5 millions. Oh, sans crit, quoi. Avec le crit, ça aurait fait très mal. Alors là, on va être très bien. Ah, je peux vous dire que là, ça risque de faire très mal. On part sur tout, là, on s'en fout. Bah, quoique, non. On sait jamais. Allez, Broly-sama. Maître Broly Super Saiyan, il va tout torcher, lui. Au moins, il aurait eu l'avantage du chip sur celle, intelligence. Voilà, ça c'est fini. Ouais, bon, c'est bon, il s'est vénère quand même. Là, on va finir largement avec nos deux derniers au père. Voilà. Et en plus, ok, c'est toi qui veux. C'est toi qui es mis à l'honneur, donc c'est toi qui veux finir. On va pas te le reprocher. Bon petit cri des familles. Aussi rapide, on va dire, que le tout premier. Et là, bah, déjà dernier, ça va vite. Jiren. Alors, est-ce qu'il sera tout seul ou sera avec ta topo ou la. Ok. Dispo, ok. Bah là, c'est pareil. On va tenter. On va faire les amis. Et le problème qui se pose, c'est les qui encore une fois avec lui, c'est chiant. C'est pas grave. Le problème, c'est que j'aurais voulu récupérer toute l'équipe blanche là. Ah, ça, papa, bah, c'est pas grave à faire comme ça. Je voulais pas envoyer dans la rotation. Du coup, on va garder ça comme ça. On va mettre Goku. Namek. On va aller mettre un petit dragon toujours. Et là, on va envoyer le paquet sur Topo. Et là, on pourra avoir un petit tac-tac spé garanti, les amis. Donc on a l'esquive. On a voilà. On a le. On a le petit dragon, histoire de d'assurer juste la game. Mais je suis sûr qu'on peut le réussir comme plein d'autres niveaux du Super Battleground. Sans item. Si on a une bonne NRNG. Les esquives qui proc à tout va. Pour l'instant, c'est quasiment le cas. On n'a pas eu le. L'occasion d'avoir une attaque spé. Alors, Gohan ultime. Oh, un bon petit 2 800 000 crit. Allez, un petit crit cette fois, histoire de se dire qu'on t'a pas pris pour rien. Bon, ouais, ça fait. Oh là là, allez. Ah, il s'est vénère, il dit je crit pas, je continue. Bah oui. 5 millions quand même, Topo, il va le finir là. Oh, 3 millions. Et 7 millions total là. Ah là, bah alors là. Les amis, j'annonce le Topo, ça va faire très très mal. Tac. Sans jeu de mots, Topo est dead en plus. Et là. Là. Il va se faire plaisir notre Goku ZTUR Intelligence avec le bon chip. 4 millions de midlife. Oh là là, là il le finit. Oh là là. Et après là c'est aspect. Oh là là là, je suis trop mal. Oh là là, 4 millions. Oh là là, il s'est fait un malin plaisir à le terminer en deux attaques. Oh Jiren, il a rien vu venir le pauvre. Oh. Oh là là, il finit par une bonne petite attaque spé à 3 millions crit. Ben voilà les amis, hein. Un petit niveau assez tranquillo comme Battle Road. Hein. Voilà, des dés supplémentaires. Ils font toujours plaisir à prendre. En tout cas, j'espère que vous n'aurez pas eu de mal à le passer.
Vu le niveau, franchement, ça va. Donc, sans aucun problème. Tac. Et voilà, les amis. Un chiptre obtenu, pas comme d'habitude. On récupère notre mémoire, les 5 DS. Et c'est terminé. Voilà, bah, j'espère que vous aurez eu plaisir à regarder la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous le souhaitez, pour me suivre. Et on se retrouvera pour de prochaines vidéos concernant d'autres choses. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.